Le citron givré de Menton. Du Castelet, on va dire. Allez, allons-y. Donc on a fait des moules en forme de citron qu'on plonge dans l'azote à moins 198 degrés. On garnit ce moule d'une mousse de jus de citron à base de jus de citron, limonade et gélatine végétale. On enlève un petit peu l'excédent. Ici. Voilà. On a fait une petite garniture de poire confit de citron et un citron. On garnit l'intérieur de nos citrons de cette garniture. On referme les moules. On enlève l'excédent. On replonge dans le moule. D'accord. On replonge dans l'azote, pardon. Voilà. Le second. Hop. On replonge. Une trentaine de secondes. Et nous arrivons au point de non-adhérence. C'est impressionnant. Le citron qui se démoule. Il est d'une telle légèreté qu'il remonte à la surface. Voilà. 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 Nous avons nos deux citrons. Nous avons besoin de deux feuilles de citron vert, s'il vous plaît. Voilà. Et ensuite, on va rajouter un petit peu de sucre, un beau glaçage au parfum de zeste de citron. Voilà. Le second. Et le tour est joué. Voilà. Voilà donc le citron givré, prêt à être disposé sur assiette. Voilà. Petite feuille de citron. Et le tour est joué. Merci Laurent. Top.